Bienvenue, fidèles internautes et téléspectateurs, à ce deuxième numéro dans notre thème « Filles, mères et conflits familiaux ». Aujourd'hui, c'est toujours moi, Cynthia Khadidja Omelema, pour le compte de Jeunes Dessa 43, votre émission basée sur la jeunesse congolaise et sur votre chaîne YouTube Leadership Moment TV. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons parler des filles, mères et la solitude. Et vous allez remarquer avec moi que je suis seule sur le plateau. Est-ce que ça veut dire que nous appliquons déjà les sujets? Je ne sais pas. Alors, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous qui ne l'avez pas encore faite, à cliquer juste là, c'est clic abonner, s'abonner. Alors, vous vous abonnez là et vous activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos émissions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous parlons des filles, mères et la solitude. Nous allons commencer par la définition. C'est qui une fille mère? Alors, depuis toujours, selon les dictionnaires Larousse, la fille mère, c'est cette femme célibataire qui prend en charge seule son enfant. Donc, on ne peut pas inclure le veuve et les femmes divorcées. Non, c'est cette femme célibataire qui a un enfant et elle prend seule la responsabilité de son enfant. Mais aujourd'hui, est désignée fille mère toute fille adolescente qui amène sa grossesse jusqu'à son terme. C'est celle-là qu'on appelle aujourd'hui fille mère. Alors, la solitude, c'est juste l'état d'une personne qui s'isole. Qui s'isole de la société, qui s'isole de la famille. Alors là, nous parlons de la solitude. Alors vous comprendrez que fille, mère et la solitude, nous voulons juste parler de ces jeunes adolescentes qui ont contracté la grossesse à un certain âge et qui ont amené jusqu'à leur terme et à cause de toute cette situation, elles se sont isolées. Soit c'est la famille qui les a poussées à s'isoler, soit c'est à cause de ce qu'elles sont en train de vivre dans la société et elles ne trouvent plus leur place parce que leur vision a été brisée ou une raison quelconque. Mais nous allons faire un bref aperçu sur l'historique de filles mères, sur l'histoire de filles mères, parce que c'est une chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une chose qui date depuis déjà le Moyen-Âge, était considérée filles mères toute femme qui avait déjà un enfant. Alors là, quand je parle de femmes, pendant cette période, les filles avaient déjà la possibilité de se marier à l'âge de 12 ans. Alors, quand elles avaient un enfant, on les appelait des filles mères bien que mariées. Mais il s'est fait qu'au niveau du 19e siècle, on a commencé à remarquer un changement. Alors, ces femmes qui avaient des enfants illégitimes étaient soit obligées d'arrêter la grossesse qui était en cours par l'avortement, soit de tuer les enfants qui étaient nés parce qu'ils étaient considérés comme une honte pour la société. Avec le temps, cela a dû faire réagir la société et nous remarquerons la solitude avec, parce que la société était en train d'exclure ces femmes de la société. Ils étaient vraiment exclus de la société et là commence la solitude. Et aussi, la grossesse illégitime était considérée comme un péché. Mais dans les langages courants, comme je l'ai dit au début, les filles mères, ce qui désignait les filles mères, c'est le fait d'être adolescentes. Ces adolescentes qui amenaient leur grossesse à leur terme. C'est celles-là qui étaient considérées comme de filles mères. Et ces fléaux qui touchent vraiment la société devient vraiment inquiétant. Et il y a une statistique même qui montre que durant cette période, il y a plus de filles mères qui accouchent que de femmes mariées. Donc, si vous allez dans les hôpitaux, d'ailleurs, vous demandez aux médecins, il y a plus de filles mères qui accouchent que de femmes qui sont mariées, qui sont à la recherche des enfants. On peut se demander, c'est quoi la cause de ces phénomènes? Alors, nous retenons deux causes, bien que ce n'est pas suffisant, mais nous retenons pour ce soir deux causes. Il y a les problèmes familiaux et les difficultés sociales. Parmi les problèmes qui affectent vraiment la famille, dans plusieurs pays qui envoient des développements, comme le cas de notre pays, la RDC, il y a cette crise. Cette crise due à la baisse de revenus et à la conjoncture économique. C'est vraiment une situation que la RDC est vraiment en train de traverser et les familles se sentent peut-être incapables de répondre aux besoins des enfants ou aux ententes des enfants et les enfants sont en train de chercher de moyens pour survivre. C'est tout ce qui c'est ce qui a fait en sorte que les taux des filles mères puissent être élevés. Alors nous parlons également de la solitude. D'ailleurs, être fille mère n'est pas une situation aisée, surtout pas en Afrique.
en Afrique où les parents sont en train de donner beaucoup de moyens, consacrer beaucoup de moyens à l'éducation de la jeune fille pour voir cette jeune fille demain être mariée et aussi être épanouie dans la société. Mais si on remarque que cette fille à qui on a consacré beaucoup de temps est en train de se dérouter, alors la famille, dans la plupart des cas, la famille abandonne la jeune fille. Et il y a la famille de l'homme, le père de la grossesse, qui peut recueillir la jeune fille, mais souvent, il se lasse. Ils ne vont pas jusqu'à la fin, ils se lassent. Et ce qui est plus difficile, c'est quand l'homme n'arrive pas à reconnaître cette grossesse. L'homme dit peut-être qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, c'est la situation qui est vraiment difficile. Et ce sont les facteurs qui amènent les jeunes filles à la solitude. Alors, je vous propose une vidéo d'une jeune fille que nous avons contactée, qui explique d'ailleurs mieux le sujet de ce soir. Et on revient après. Et là, moi, passe. Malgré la bête, on est sorti, mais une dame. Il y a quoi ça, là, qui est un âge à mouquer. C'est là qu'il est vraiment mineur. Âge à 14 ans, saute 14 ans. Ah! Là, le bandam, pour passe. Là, il faut dire à mon bal, il dit à mon bal, il fait le solo, mon bal, il fait le couta. Pour flatter au classe, il y a un qui me sert à classe. Là, il y a un qui est en ligne, il y a un qui est pas à bas. Je ne sais pas si tu es là. 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 Si on débat qu'il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de mobile. Baboti ba silika ki baba ki ba tang sanga soute ndi na fanda pe bongo na tang pe soute ndi ba silika ki yon pe na vanda bongo réaction na ngo ba para ba sepela ete ba laki na posa na tanga ndi bongo ba sepela ki ngana zala tang na tanga na sisa le ko ngana koma ki te na ekata na katika ndi ba decide ki ke ba tang sanga soute na ki ndi sou classe te ba fute la mbongo ti ngai kwa ngai ya ketela zemi ndi ngana zapo na zemi. Et moi, tu es 9 mois. Je suis 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 9 mois. Suko lia na zui zemi wana. Ayo kupesa nga susio ndia nazo zemi wana. Nake ndo kupesa bayane ya mibali, ata ya basi, babu wako la zemi wana. Umuyi suko yipilaso wana ndia zi wapesa. Kupesa nga susi makasi. Yo dilo bolo yo mama wana zana susi. Mama wana zui tansio. Mama wana susi ya nini. Ilo wana yezo kisa nga susi. Kwa za goza natali si mapamba, natali boso pamba. Kapia bezo nga ashari. Suko lia rukendo zo zemi ndia yo. Kiko zwa suko yi zemi. Yero kendo suko yi kozwa zemi wana. Shari juwa ni yeko zana na mutu na ngayo. Yeko zana na mutu ya bayana ye. Suko yi mubali aziki apese zemi. Emwa demu akimu. Bari msua kukulu boi. Lukuna na apese zemi. Suko kiso longoli. Suko apese suko yi kisa longoli. Akufi. Ngana kuzana apese andengi ni. Mubali ta unakomi na zemi. Ta unayebota. Mubali ayeko kimi. Matanga kimi. Fami na ye. Babando kipenga titama bebe famille peka za mutu aye limba nayi nayi zonge pa biso ti ba boko pindi mwana kusana na ofana ba para na bande si kone na so ba para ba malgré ba zonge si sima me ba osunga nga sunde na za kite vie komi ka bongo bongo bon rêve na na vie za ki na bana ko tanga hein na tsuna silisi lobi na ona ko mamutu ndi na bana na ko tanga classe malgré classe il y a ko katana kuna mbongo ya kukata na ndene ya kuzwa zim na ikata classe
Yaoundé salé qui n'a qu'à ta classe de l'eau vieille zone ici ma. Oui, nous avons un rêve, nous avons peine à ma cambo et à sa vie. Mon bal a l'air à souter, mon bal a voyagé à Kenda Naï, à mon âme à souter. Elle a comme Nazi, mais elle voyage à Kigisangan. Je suis un peu plus de temps. Nasuki, ah. Triste réalité. Et si vous essayez de vous mettre à la place de Déborah, juste pendant une seconde, vous remarquez que c'est le rêve d'une vie qui est brisée. Et pas seulement ses propres rêves à elle, mais aussi les projets que la famille avait pour sa fille. Ces projets sont brisés. Jeune fille, même la Bible le dit, tout ce qui est arrivé est là pour nous servir d'exemple, pour éviter à ce que nous puissions tomber dans le même trou. Oui, elle a pleuré, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Je vous propose de suivre ces conseils qu'elle a donnés aux jeunes filles. Comme conseil, na conseil na kopesa ba onke nga na tambola ki malgré ya ko linga mibana nda kilo yenge yango eme manga mabele futinga ke na ko mana mwana suna na landa ki ndela classe nga na zapafala mwana te classe ninge progresser nge ke du boso loka na yeko anda jamu bulu nde na yeko kata na yeko mana mwana yango vina nga ishanje komi ezongi sima. Alors, comme je disais, évitons de faire du tort à nos familles. Évitons, dans notre marche, veillons sur ce que nous faisons. Parce que tu brises et tes rêves, et le rêve d'une famille, et même pour la société, parce que tu es utile pour la société. Mais il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Si tu te retrouves dans cette situation, tu peux encore te relever. Oui, comme les Quinois le disent, maille déjà et se panne, oui. Mais prends le vase, va le remplir encore, il y a encore de l'espoir. Ne baisse pas le bras, tu as encore le temps de construire ce que tu rêvais devenir. Parce que cet enfant que tu as, c'est à toi de pouvoir forger. Tu dois forger un peuple. Alors prends courage et avance. Et je demande aux parents, c'est vrai la fille a trébuché, mais est-ce une raison pour l'abandonner? Non. Vous êtes cette force qui va aider cette fille à pouvoir avancer. Vous êtes cette force qui va lui donner encore le courage et de l'espoir pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, avec ces tristes témoignages, nous allons finir là. Nous finissons là et j'ai dit merci à l'équipe technique. J'ai dit merci à la maison de production Ma Touche Numérique. Et je vous dis à vous également merci de nous avoir suivis. Alors je vous invite à vous abonner, vous qui ne l'avez pas encore fait, et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Parce qu'il y a encore des témoignages comme ça. Déjà au prochain numéro, je vous annonce, nous parlerons des désengagements parentaux. Aujourd'hui, c'était la solitude, mais les prochains numéros, ça sera les désengagements parentaux. C'est le sujet que je nous annonce déjà, alors ne le ratez pas. Et si vous avez des suggestions, priez de nous écrire. Nous sommes ouverts
à tout commentaire. Mais aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des témoignages comme ça qui peuvent édifier les autres. Alors, contactez-nous avec les numéros qui sont juste là sur vos écrans. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Merci.